avec nous ce matin pour commenter l'actualité, Monseigneur Auger Beauvoir. Très certainement, nous aurons donc à revenir sur le scandale qui aurait en quelque sorte éclaboussé l'Église épiscopale avec la cargaison d'armes et de munitions saisies, les arrestations effectuées par les autorités. On parlera aussi du comité de médiation dont Mgr Beauvoir est membre. Mais d'abord, nous devons le saluer. Bonjour Mgr Beauvoir, merci de votre disponibilité. Nous comptons capables de parler matin. Merci Monsieur Théodore et bonjour. Moi salue également tout le monde qui a écouté et qui a attendu radio, qui a suivi sur télévision, radio, télémétropole. C'est un plaisir vous m'avez pour matin. Avant de parler de dossier qui très certainement intéressé ou dans la mesure où on est capable de profiter de l'occasion ça pour porter quelques éclairages pour nous. En tant qu'homme d'église, dis-nous comment on va vivre ça qui a passé dans le pays. Là. C'est un week-end, nous sommes passés là, c'était un week-end tête chargée, Mgr Beauvoir. Et policiers pour un bal, naufrage, et gang cap goumé, timoun cap quitté Cité Soleil. Il y a plusieurs centres d'accueil, de fortune, des centres, des écoles qui sont transformées en centres de refuge d'enfants, et région métropolitaine qui est encerclée de gangs, et Jodian. Au bon lecture de la situation haïtienne aujourd'hui, Mgr Beauvoir. Monsieur Théodore, ce qui a passé là, la vie est triste jour après jour. Vous avez fait tout ce qui est réel de problèmes, ouais, non seulement le week-end, et moi, je crois que c'est triste. Malheureusement, la police, pourquoi elle n'est pas capable de résoudre le problème ça. C'est, matin, ma plan, c'est un appel à tout leader pays, quel que soit le secteur, pour porter coller, pour changer sa situation. Ça. Moi, on a mouru. Jeune qui a joué domino, police qui a l'église, jeune qui a quitté le pays, tombe à terre Bahamas. Et moun qui a kidnappé moun chaque jour, et malheureusement, les gens qui ont kidnappé, nous pas gagné toute liste là, les gens qui ont kidnappé moun qui dit non, nous t'en mais pourquoi que nous avons la soirée qui est victime de kidnapping? Pourquoi que nous avons mouru de balles perdues? La situation est grave, elle est inacceptable. Et c'est tout le pays, quel que soit le secteur de l'OEA, qui pour mettre ensemble, chaque monde dans le domaine d'activité pâle fait un effort pour changer la situation. Nous ne sommes pas capables de continuer comme ça. Nous ne sommes pas capables de vivre comme ça. Sans que ça ne passe pas intéressé nous. Depuis que nous sommes victimes, nous ne sommes pas concernés. Nous avons le temps pour nous prendre conscience que chaque monde a un bagage capable de faire pour améliorer la situation. Ce n'est pas normal la vie pour nous banaliser à ce point-là. Là, moi, qu'est-ce qu'on va dire dans jeudi là? On a marché sous cadavre comme si de rien n'était. C'est inacceptable. Ma poule toute force, vive nation. Chaque monde entre dans la conscience. Regardez ce qu'on est capable de faire pour éviter plus de monde mourir. C'est le message ça, c'est constat ça que je fais, c'est le message ça que je lance. Bah, leader pays, à quel soit le domaine que. En parlant de banalisation de la vie, Mgr Beauvoir, hier soir, il y a ouvri ZAM, un fusillade qui fait dans une place Caso. Côté que des individus, on dit nous que c'est, en fait, Gemini qui va dire que c'est règlement de compte, et des bandits qui ouvrent coup de ZAM, sous monde tagué pour pipiti 5 jeunes qui perdent la vie sur le champ. Ou pas trouvé que ça allait trop loin en Haïti, je dis. Hein? Ça va bien trop loin. C'est inacceptable, j'aime ce dire tout à l'heure là. Faut que le monde qui est responsable, il prend responsabilité. Il faut quelque part gagner un consensus qui joigne pour nous capables de sortir dans la situation. Ça. On a perdu le monde chaque jour comme ça, des jeunes, l'avenir du pays. Ou bien nous mettons ça, mais ou bien nous tuer. Ce faisant, on a tué le pays. Donc, on n'est pas capable de faire un pays dans le mode ça. On connaît un peu l'intérêt en jeu. Donc, on
ambassade a fait pour un pile bagaille là. Mes amis, assez. Ça n'est assez. Côté nous, le pays, côté nous, nous devons sortir pour nous dire qui ça a fait ensemble pour éviter que les jeunes continuent à mourir, que les gens ne mourent tout court, que les gens ne mourent pas, que les gens ne bougent pas en main, parce que pas aucun espoir que l'espérance dans demain. Et c'est dans le contexte ça, et Monseigneur Beauvoir, récemment, une cargaison d'âmes, nous parlait de ça déjà, et que tu as joint, et tu as fait quoi que c'est pour c'est l'église épiscopale qui t'a fait commande ça. Où tu es intervenu pour rejeter l'accusation ça. Je dis là, et plus d'une semaine après, dans quel sens enquête tu es allé? Parce que je crois qu'il faut qu'on informe au moins de gens, situation a évolué. Qui sont joints comme nouveaux éléments? Qui t'a peut-être allé dans le sens d'un dédouanement éventuel de l'Église épiscopale dans la question ça? Ok. D'abord, en premier point, moi condamné de toute force, moi, ça qui arrive. Ce n'est pas normal pour que le monde ait fait des armes avec munitions entrer dans le pays encore. Ce n'est pas de job normal et je dis à l'inacceptable. Parce que c'est un mal qui fait à la société. Et c'est une tentative pour détruire plus la vie dans le pays. Donc, comme l'Église, comme le monde qui a encouragé la vie, qui a travaillé pour protéger la vie, ça est compatible avec la mission. Je ne parle pas les jeudis pour me rejeter l'accusation. Ça, peut-être samedi par les jeudis, c'est pour me dire, moi-même, Monseigneur Roger Beauvoir, moi j'ai 7 ans depuis mon pape dans l'administration de l'Église épiscopale. Donc, je ne sais pas comment je suis en fait. Moi, j'étais un évêque retraité qui célébrait la messe, qui prêchait, qui a baisé sacrement. Même pas dans l'administration. Moi, j'étais parlé parce que, en pile monde, ta foi amalgame, quand quoi c'est moi qui chef l'église épiscopale en Haïti. Ce n'est pas le cas. Monseigneur Beauvoir, pas chef l'église épiscopale en Haïti. Ils sont évêques retraités, mais canoniquement résistants dans ce diocèse, et pas dans l'administration. Et ta foi amalgame, non, pour plusieurs raisons. Une raison, c'est parce que probablement. Mais avant nous dire amalgame, non, Monseigneur Beauvoir, moun yo, que nous citons, ou pas qu'on moun sa ou du tout? Moun que nous citons, ou pas les poupées, ou si aussi les poupées, ou moun tout le temps, je suis un évêque de l'Église. Non, ma parle de moun, par exemple, qui t'a cherché, cargaison, moun qui voyait, cargaison en Haïti, est-ce qu'on pas, ou pas de jambes travaille avec moun sa ou froid? M'va arriver là. Madame Wall, si vous dites que c'était secrétaire, moi, c'était assistant personnel, moi. M'va jamais rencontrer Madame Wall, m'va connaître ni en tête ni en peinture. Et à ce moment-là, moi, trouvé ça là, moi, là, amalgame, non. Et Madame Nato, yo dit que le déclare que le pas connaître. Donc, c'est les ennemis de la paix qui essaient d'entrer, mon cher Bouba, nous, que le pas connaître. Et l'autre dame, il arrive une deuxième dame, mais pas connaître non plus. Qui explication nous capable d'essayer bail à ça, Monseigneur Beauvoir? Qui ça que nous devons comprendre? Parce que l'autorité, on dit, c'est pour l'Église catholique, c'est pour l'Église épiscopale. C'est ça, on dit. Parce que vous avez une cargaison, il écrit l'Église épiscopale. Qui j'en comprends ça qui passe à vous-même? Moi-même, il y a un constat que personne n'a gagné. En cargaison entrée, adressé à l'église épiscopale. Ça, c'est un fait. C'est une évidence, personne n'a gagné. Maintenant, position PAM, c'est que l'église, pas dans le business, importe des armes à munition. C'est monde qui sous-utilise, et au privilège que l'État va à l'église pour travail social, qui fait malgré ça. C'est ça qui fait moi encourager le comité permanent qui a géré l'église de la diocèse d'aujourd'hui, hein, pour porter plainte contre X pour manipulation, faux, usage de faux et préjudice contre l'église épiscopale d'Haïti. Et deuxièmement, moi, invité comité permanent pour aller au ministère des Finances, pour collaborer avec lui dans l'enquête qu'il a fait, pour aller à la douane, collaborer avec lui dans l'enquête qu'il a fait pour le jeune vérité. Hein. Parce que quelque part, c'est des individus mal intentionnés qui servait avec un privilège que l'État va à l'Église là pour commettre forfait ça.
Est-ce que l'utilisation de franchise là capable un bagage simple, monsieur Beauvoir, parce que un circuit pour le faire, circuit ça, supposé qu'un représentant de l'Église qui a fait le tout ensemble avec moun qui éventuellement capable pas profiter de ça qui en a raison. Comment ça arrive fait sans le représentant de l'Église? Capable face répondre aux questions ça parce que nous sommes passés 7 ans à gérer institution en dehors de l'Église épiscopale qui y en a plus qu'au franchise dans le pays. Et pas une fois, ni avec finance, ni avec la douane, pour nous dire des bavures. Parce que le processus n'est tracé de façon nette et claire. Là, on va recevoir une cargaison. Les gens qui vont y aller, ils vont packing list bas avec numéro conteneur. Maintenant, institution qui bénéficie franchise là, il vient pour l'écrire à ministère de tutelle. Dans le cas de l'Église, il y a écrit à ministère des cultes qui prend parking les soir, qui vérifie les, qui aussi tout article qui n'a contenu ça, il couvre par franchise globale parce que son franchise limitée que les pas pour tout bagage. Et puis maintenant, il autorise ministère finance pour baou pour vont mémorandum par la douane pour la douane qui a baroule. Donc c'est tout un processus et leur bon franchise là gagne un spécimen de signature dans le ministère de l'économie avec finance au monde doit signer chaque fois une demande venir si bien d'autres souli ça ministère finance fait les retirer la aller dans tiroir spécimen signature ça pour le voir qui est signer son processus qui bien tracé c'est bon bah c'est bon il pas dans le point là parce qu'on fait 7 ans à gérer pour institution en dehors de l'Église épiscopale, pas j'aime bien bavé, mais des autres, et mon connaît très bien. Maintenant, en cours de route, est-ce que y a un monde qui a un usage de faux, monde qui imite des signatures spécimens, monde qui a un signe pour l'Église, président de le comité permanent, c'est pour capturer l'Église, et monde qui signe pour l'Église, président du comité permanent, donc peut-être il est mieux placé que moi pour répondre à la question. Ça. Mais le processus est bien tracé, c'est pas en bas, c'est le processus est là. Mm-hmm. Pour faire coquer là dans lui, ça veut dire qu'il y a un complice en pile côté. Dans le moment où tu es là, tu as gagné une administration, tu as gagné un administrateur. Est-ce que ça veut dire que des poupas là sont l'autre administrateur qui gagnait ou bien est-ce que c'est même non? Moi, je voulais prendre l'autre précision là, Wendell. Mon cerveau n'a pas de jambes responsable. Mon cerveau, OG Beauvoir. OG Beauvoir n'a pas de jambes responsable. Administration générale de l'Église épiscopale d'Haïti. Moi, j'étais responsable de gestion de l'Église dans le Grand Nord, par l'évêque suffragant. Et c'est là que la responsabilité était limitée. Je dis à tort, à raison, depuis que l'Église épiscopale d'Haïti, tout le monde a commencé à pouvoir. Même pas de jeune responsable en chef, l'homme était évêque suffragant, moi, j'étais dépendant de Monseigneur Jean-Zaché Durassé, qui était évêque diocésain, qui était responsable de l'administration générale. Et m'a été rapporté à lui-même. M'a déjà responsable de l'administration, l'Église épiscopale de façon générale. Et ça fait un grand monde. Où est-ce que ça passe là? L'Église est claboussée. Mais quand pile médiateur qui, de bonne foi, qui a expliqué lui, il y a l'autre médiateur qui a fait bonne avec lui pour dire, monsieur, vous passez chef de l'Église épiscopale. Moi, pas déjà chef de l'Église épiscopale. Moi, pas chef de l'Église épiscopale. Et depuis 7 ans, m'a administration, m'a pas d'administration encore pour nous recevoir dans le Grand Nord. Je pose une question ça déjà, nous avons retourné sous le lit. Parce que nous avons un public qui en fait, digne de respect, qui mérite respect. Nous devons respecter lui. Si nous n'avons pas les poulies, si nous n'avons pas servi, nous devons aider à le comprendre. Monseigneur Beauvoir, ça qui passe, qui s'allie d'après vous-même? Difficile à dire parce que je ne suis pas dans l'administration, je ne suis pas géré franchise, je ne suis pas là. Je ne mais moi-même, analyse pas. L'Église épiscopale n'a pas entré dans le trafic ZAM. Monde qui est impliqué, monde qui garde sa franchise, est capable de faire. Ça fait moi dire qu'il faut enquêter aller jusqu'au bout pour que les coupables soient capables de punir selon la loi et capables de restaurer la réputation de l'Église. Là. Parce que pile fidèle Josia là, même dans le temps de ça, ça me dit, je crie. Là, comment c'est ce nom qui est impliqué? C'est dans l'église, ça me fait, c'est là, je me grandis.
C'est la dame consacrée évêque qui m'a donné quand Diaké prête au Canada. C'est la dame donné consacrée évêque. C'est mon église. Mm-hmm. Ça fait pas semblant à l'église bonheur du tout. Ça fait me crier les confirmations, les parler de monde qui est impliqué, qui proche l'église qui est impliqué. Mm-hmm. C'est dommage. Et c'est un crime. Ou et même, plus que ça, Wendel. C'est ça. Des faux billets, non, bah là tout. La vie, crime pour tuer le monde, crime financier également. Mm-hmm. Ça passe pas de l'église du tout. Ça, c'est des individus qui font, mais ce n'est pas l'église comme institution. Et mon qui aux ordres de la police ou encore de la justice, c'est des gens qu'on dit complètement ignorés ou pas connaît du tout. Je ne connais pas du tout. Et d'après ça, mon dit, Madame Wall, ça dit tout que le barreau connaît que pas. Il va jamais travailler avec. Il me fait c'est une institution qui fout de peau. Allemand de n'importe monde dans fout de peau. Si, mon soeur Beauvoir, tu vois, c'est Yorélé Gina Walls, Allemand de yon. J'ai essayé fout de peau le 31 mars dernier. Ou pensez moun sa yo, yo même tout, yo ta capable innocent? Les Gina Walls, ou pensez moun sa de capable innocent, madame Jean-Louis, je crois. Madame Louis-Jean. Louis-Jean, oui. Louis-Jean. Vous pensez que vous êtes innocent tout? Je ne suis pas capable de prononcer ni sur innocence ni sur culpabilité parce que je ne connais pas à qui est en contact avec l'église. Je ne sais pas ce qui a passé dans la gestion de l'église là depuis 7 ans. Ok, merci Monseigneur Beauvoir. On prend une pause et puis on tourne à nous parler maintenant en politique avec le comité de médiation. Merci encore une fois pour votre disponibilité. Pour suivre, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, Monseigneur Roger Beauvoir est notre invité ce matin. À tout de suite après la pause.